Salut à tous, j'espère que la vidéo de la semaine dernière vous a bien plu. Un concept un peu particulier, mais on s'est bien éclaté. Et aujourd'hui, nouveau défi. Nouveau défi spécial Bunny Up Over, vidéo inspirée de la chaîne de Jimmy Herzer. Je mettrai juste son petit lien de chaîne ici. On va faire des lignes spéciales avec que des bunnies. Donc voilà, je pense qu'on va bien se marrer. Toi, t'es chaud? Je suis chaud. Allez, c'est parti, à tout de suite. Et voilà, c'est parti. Premier défi pour Théo. J'explique un peu comment ça va se passer du coup, après on va arrêter un peu trop les blabla. Là, on va placer la barre sur un spot et chacun sur le spot devra faire une figure sur ce spot-là. Donc là, ça se passe juste ici. C'est parti. Ouh, ça envoie du lourd dès le départ, mon gars. Direct, pas le temps. Ah ouais, c'est bon ça. Il casse tout. Oh, oh, oh. Je crois que tu t'es surestimé sur ce coup. Ok, du coup il veut faire 3-6 nose, donc 360, arriver en nose et partir. Ça va être compliqué. Si on vous a dit que j'ai fait 3 décès pour ma dernière ligne, c'est faux parce que j'en ai fait au moins 40. Mais c'est pas grave. Regardez ce qu'il va faire notre ami John. Oh, on était sale. Sa mère. Bon, Théo, petit commentaire pour ce Manuals 80. Pour savoir s'avouer vaincu de temps en temps. Ah, j'ai été assez persévérant, j'ai fait un essai très concluant, mais bon, c'est 50% quoi du tricks. Mais bon, comme ça. Allez, on place à la suite. Maintenant, place à la suite. C'est mieux. Allez, on a commencé un petit jeu de 100 longueurs. Théo arrive, il est juste là. C'est parti. Yo. Allez, on va la placer un peu plus loin. Ah, ça c'est cool, hein. Ça c'est plutôt cool. Allez, on Oh,
Il y a un truc de ton corps qui a touché un autre truc là, il y a une confusion. Allez, petit dernier défi, on passe à un nose 180 tailleur over la barre juste ici, c'est parti. Yeah. Oh. Allez, oui. Et voilà, fin de la vidéo, j'espère que le concept vous aura plu, ce genre de bunny était bien cool. Nous, ça nous a permis de changer un peu de ce spot local qu'on ride depuis maintenant 6 ans, donc c'était bien différent. T'en as pensé quoi toi? Bah moi j'ai bien kiffé, ça faisait un bail que je revenais plus sur ce spot parce que j'avais besoin de changer, et puis là ça apporte de la nouveauté, et puis ça apporte pas mal de chutes. J'espère que vous avez kiffé mes petites danses au sol, et voilà, sinon au top. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez des défis particuliers que vous aimez voir ou quoi. Comme ça nous donne peut-être quelques idées, et puis voilà. Yes, allez, ciao, à bientôt les gars.